bonjour à tous, c'est GG et je vous fais la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek. Allez, comme toujours, un produit qu'on reçoit d'Amazon ou de Chine, on leur demande pas de thunes. Par contre, si c'est nul, on dit que c'est nul. Si c'est bien, eh ben on dira que c'est bien. On dirait que c'est nul quand même pour la blague. Allez, un des vendeurs nous avait proposé de nous envoyer un rasoir électrique qu'on a testé dernièrement et il était bien en fait, voilà. C'était un bon petit rasoir, il faisait le taf, il était pas excessivement cher et le vendeur était assez content parce que il y a eu apparemment pas mal de clics et apparemment pas mal de commandes. Donc il nous a proposé, dit j'ai aussi une brosse à dents électrique. Alors j'ai envie de lui dire, franchement une brosse à dents électrique, moi à part on va tester une Xiaomi, voilà, mais bien, attends, tu vas voir. Donc du coup la brosse à dents, elle est livrée. Électrique. Elle est livrée dans sa jolie petite boîte. Et c'est vrai qu'à prix équivalent, le fait d'avoir une petite boîte pour mettre la brosse à dents, ça fait quand même beaucoup plus clean. Parce que je pense que c'est, comme moi, tu sais pas trop où la mettre cette brosse à dents. Elle est livrée aussi avec un petit dock chargeur par induction, mon pote, qui branche en USB. Alors juste en USB. Hein. Je vous rappelle, à cause des normes CE, en fait, ils donnent plus de chargeur. Sinon, ça les oblige à avoir un chargeur aux normes CE, machin. Alors qu'un câble USB en 5 volts. Voilà. Donc tu mets la brosse à dents dessus, tac, badaboum, et ça charge. Dedans, il y a une petite pochette. Trop classe, je te fais voir un peu ici. Et dans la pochette, 4 têtes de con, de brosse à dents, bien évidemment. 4 têtes, donc une que j'ai mise directement sur la brosse à dents, et 3 autres qui sont livrées dedans. Donc, c'est vrai que, enfin, à prix équivalent, enfin, vous avez vu le prix, 30 euros, 31 euros. Bon, c'est vendu par Amazon, elle est chargée par induction, il y a la boîte est trop stylée. Enfin, j'ai dû être un chat dans une ancienne vie, j'adore les boîtes. Et voilà, jolie petite boîte, charge par induction, bon ça c'est normal, et enfin la brosse à dents ici qui est plutôt classique, on appuie dessus une fois, ça vibre, donc là on est en mode clean, tu restes appuyé longtemps, elle se met en mode white, ou en mode sensitive. Alors tu vas le voir, attention, si tu n'aimes pas les bruits de dentiste, ce moment est pour toi, tu vas voir la connerie que j'ai trouvée, attends, oh, attends, regarde, voilà, vitesse 1, vitesse 2. T'as vu, on voit bien la différence. C'est cruel. Là. Voilà. Bon, bah après, du coup, c'est une brosse à dents. À dents. Voilà. Donc, tu peux l'enlever ici. Ah merde, j'avais réussi à la mettre, fais voir. Voilà, tu l'enlèves ici. Tu peux mettre un joli petit capuchon. Je sais pas où tu vas te le mettre, le capuchon, hein, pour le coup. Bon, ça vibrote un peu. Hein. Oui, c'est ça. D'accord, je viens de comprendre comment ça fonctionne. En fait, tu appuies une fois, il se met en mode 1. Deux fois, trois fois. Oui, t'as pas besoin d'appuyer longtemps, en fait. C'est pas mal, en fait. Non, non, il est plutôt... Bon, après, la brosse à dents en elle-même, je veux dire... la vache. Bon. Bon, ben voilà, en fait, du coup, elle est plutôt bien, cette brosse à dents. Oh, ça vibre un peu fort. Il faut peut-être... Moi, je suis quelqu'un de sensible, moi. Il faut me mettre en sensible. Voilà. Oui, bah écoute, hein, c'est, on peut faire des révélations, hein, c'est le moment de lâcher le morceau. Bon, bah voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour 32 euros, brosse à dents électrique, bon, bah le deal est rempli, hein. Brossage, elle est IPX7, ça veut dire que tu peux la laver, toi, comme ça, hein, voilà. Tu peux cracher dessus, une fois que t'auras fini. Bon, étanche, c'est IPX7, on est bien d'accord. 4 têtes de rechange, ça c'est classe. Le produit est bien, il y a 3 vitesses et tout. Non, je suis assez... Alors, 41 000 fois en nettoyage, 48 000 fois ou 31 000 fois, une puissance de 3 watts, 65 décibels, bla bla bla, charge et tout. Bon, ben voilà quoi. Après, c'est un bon petit produit. Franchement, je vous le conseille à 32 euros sur Amazon. Donc, du coup, si vous avez un compte Amazon, les Prime, les machins, les trucs, c'est trop bien. Si vous n'avez pas de compte, ben voilà. Sachez que vous la commandez par Amazon. Donc, elle est garantie par Amazon. C'est quand même plutôt une bonne chose. Pendant au moins les 2 ans. Non, c'est, tu peux te cleaner, te whiter. Voilà, la grande eau comme ça, mollo, hein. Les 3 têtes. Ah, c'est pas les mêmes. Fais voir. Ah ouais, d'accord. Oui, il y a des têtes. Et têtes de nœuds. Et têtes de con. d'accord. Ah, c'est pas les mêmes têtes. D'accord. C'est pour ça qu'il y en a 4. C'est pas, il y en a 4 de remplacement. C'est, il y en a 4 différentes. C'est vrai que celle-là, elle est peut-être un petit peu rude pour moi. Hein. Je suis un petit peu sensible, moi, quand même. La boîte, ça c'est classe pour mettre la boîte et les têtes. Trop bien.
avant, après, pleine de sang. Je suis mal pêché, hein. Voilà, bon, bah voilà, du coup, 32 ans, oui, je vous le conseille. Après, est-ce que je vais aller tester pour me brosser les dents avec? Non, mais moi, je suis old school, moi, tu vois. Moi, je suis brosse à dents, bien ébourrichée, comme ça, tu sais, avec toute frichée, avec les trucs comme ça, tu sais, de tous les côtés. Et, voilà, à l'ancienne, et une minute, comme ça, une minute, comme ça, une minute, comme ça, et voilà. Voilà. Bah, non, je suis old school, moi, qu'est-ce que tu veux. Enfin, vraiment, si vous voulez une brosse à dents, c'est bien. N'hésitez pas, allez, comme toujours, les 3R et le petit C. Le R de cher, pas de gens, c'est mieux sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire, mais sur un commentaire en dessous de cette vidéo pour dire ce que vous avez pensé. Cette brosse à dents noire mat, trop classe, charge par induction avec l'étui et 4 têtes. Attends, c'est bien, pour le prix, c'est classe. Voilà. Le R de pouce en l'air si t'as aimé la vidéo. Si t'as pas aimé la vidéo, lâche-toi, mets-toi un pouce en bas. Enfin, mets-moi un pouce en bas. J'ai vu qu'on était pas mal. T'es bien pouce en bas aussi. Il y en a qui aiment pas. Mais regarde, mais c'est toujours les mêmes qui regardent. Ils regardent tous les jours, mais toujours ils aiment pas. Voilà. Et enfin, le petit C de café. Bien évidemment, je rappelle, la quotidienne et le JT du geek. Les seuls rendez-vous qui tournent uniquement au café. Donc, si tu veux rejoindre la famille, eh ben, tu peux devenir cafeteur et me payer un petit café sur Tipeee. T'as aimé la vidéo, t'as envie de dire merci. Tu peux payer un petit café. Ça coûte rien. Enfin, si, ça coûte un café. Et ça fait plutôt plaisir. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je donne rendez-vous ce soir à 16h pour le live. Une heure quotidienne où on parle de news high-tech pendant 15 minutes. Et après les 15 minutes, je réponds à vos questions directement en live pour ceux qui seront là. Bien évidemment. Voilà. Paix et prospérité. Bonne journée. À ce soir. Et puis sinon, bah, à demain. À demain, j'ai un produit vachement mieux. Voilà. Faudra venir demain. Ou sinon, abonne-toi en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Bye bye.